Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure où vous regardez la vidéo. Pas oublier que vous êtes marchandise en Haïti. Nous pas vendre. Cependant, nous vous disons, prêtez-nous jouer avec Zoé ou prenez une chaise. Bah, on invite deux ou trois amis qui sont bien carrés. Sortant de Yana Bauzin, Natal Goulet. Film qu'a fait. Je dis à la nous une information pour vous concernant délégation OEA qui te visité pays d'Haïti. Et bien, nous avons une décision qui te prend. Gagnez monsieur Ronald Sanders, qui est ambassadeur Antigua aux États-Unis et à l'OEA, eh bien, lui fait connaître que délégation ça a quitté Vignan, pas de autorisation OEA. Attendez, délégation qui est venue en Haïti, lui pas de autorisation pour agir dans non-organisation qui est OEA. Avant d'entrer dans le détail, on a dit pas oublier. Abonnez avec channel là. Si vous êtes un abonné, invitez 2-3 monde faire le même genre avec vous. Une façon pour capable toujours aider nous avancer, river puis devant ou capable éviter 2-3 monde tant que vos amis, famille pour capable entrer dans famille machandise Haïti. Et n'a demandé un service pas oublier à chaque fois que vous regardez une vidéo capable copier le lien la gueule dans 5 à 10 groupes Facebook qu'on soit capable aider nous avancer, river puis devant. En entrée dans la cause, maman Pemba qui a fait actualité dans le moment, nous tous connaissons une délégation qui a visité le pays d'Haïti dans la date qui était 19 juin 2019 là, et qui a pris une décision pour dire que si l'opposition a besoin de pouvoir, qu'il y a une élection, il a même dit que le rapport coup des comptes, il a été en minimisé, il a dit que yo a proposé des experts en finance, experts étrangers en finance, pour gérer question ça, fournir et sous question gagote l'argent pétro-caribéen. Yo te dit que yo reconnaît et gen en pile gagote qui fait dans l'argent pétro-caribéen. Eh bien, journée jodi a gagné monsieur Ronald Sanders qui c'est ambassadeur Antigua aux États-Unis et à l'OEA, lui dit que yo groupe délégation ça qui est venu en Haïti a pas de pièce autorisation OEA pour te venir, yo pas de pièce autorisation OEA pour te venir dans pays d'Haïti et prend une décision dans non pays a organisation état américain OEA li ignoré question procédure et autorité qui établit. Donc, récente délégation qui était venue en Haïti, il n'y a pas de pièce autorisation. Là, il n'y a pas de mandat. Nous sommes capables de tout ce samedi. Mandat, ça veut dire qu'il n'y a pas de autorisation conseil permanent OEA. Ça veut dire qu'il n'y a pas de droit pour agir dans non OEA. Donc, Ronald Sanders, c'est ça, il a déclaré. N'a pas bloqué visite ça, il était fait dans date qui était 19 juin côté délégation royale était entré en Haïti dans une idée pour aider on ti gens désamorcer question crise ça qui a passé en Haïti. Pas oublier que bagayo yo on ti gens grave dans moment tout le monde a demandé pour Jovenel aller déjà décision ça que OEA te prend li te gen en pile mauvais réaction gen Moïse Jean-Charles qui parlait gen André Michel gen en pile moun et qui parlait sénateur yo groupe 4 là yo même qui yo dit que décision que OEA te prend li même yo pas jamais d'accord avec elle d'ailleurs yo pas arrêté ensemble avec yo et c'est en pile gros propos qui te répété n'a pas blo gen yon officiel OEA qui te confié avec le journal mondial, le journal états-unien qui s'est mis à Miral, le président Jovenel a gagné soutien de l'organisation hein, et que membre opposition hein, yo supposé tendre pour y aller dans l'élection avant pour remplacer Jovenel Moïse. Donc yo même parlé des questions pétro-caribéa pour yo mette yon expert international en finance internationale pour fournir. Alors que moun sa yo qui te vin en Haïti a, yo pa gen pièce autorisation pour yo te agi nan non organisation. En tout cas, bagay sa commence à faire en pile parler nan pays d'Haïti. N'a rappelé ou, c'est yon journal qui sorti et nouvelle sa et genyen Jacqueline Charles qui se reporter Miami Herald qui publie le bagage, ça fait un pile parler, un pile tollé dans
réseaux sociaux. Pour ambassadeur Sendez qui t'a suivi manifestation, toute manifestation massive qui t'a fait en Haïti, qui t'a demandé départ Jovenel Moïse et procès Petro-Caribia, résultat visite rapide de mission OEA en Haïti, j'ai souhaité pour yo ouais, mais il dit que première réaction yo vraiment hostile. OEA yo supposé faire promotion pour un changement systématique en Haïti, mais c'est pas pour yo servir un agenda externe. Pour question planification visite 19 juin, selon lui-même, il dit que li pat fête sous autorité conseil permanent après délibération et décision. Je dis mais plutôt c'est une rencontre qui était faite entre ambassadeur États-Unis Carlos Trujillo et secrétaire général Almagro suite avec lettre invitation que ministère affaires étrangères en Haïti a Bochy Edmond t'a fait. L'autre bagaille pour souligner ambassadeur Sendez li trouvé ça et qui fait journée jeudi en Haïti, c'est pas un bagaille qui est habituel, c'est un bagaille qui est vraiment inhabituel et parce que lettre que gouvernement haïtien envoyé ou bien ministère affaires étrangères envoyé a l'État supposé distribuer dans tout pays qui représente membre OEA. N'a rappelé OEA son paquet de pays qui la donne organisation des États américains. Là où du État ou déjà qui ça le ça veut dire c'est ça qui fait ouais logo à son paquet de pays qui la donne. Ça veut dire son paquet de pays qui représente OEA, organisation des États américains. Donc ça veut dire let ça que ministère affaires étrangères en Haïti a voyé l'État supposé distribuer by tout pays ça yo après pour yo tout prendre décision pour yo dire mais qui ça m'a fait c'est pas ton bagage qui t'ai jamais fait donc l'État là pas jamais distribuer dans tout pays ça yo c'est ça que monsieur Sendez trouvé qui paraît un peu louche dans cause là et n'a pas bloqué président pays a Jovenel Moïse il t'a annoncé via un tweet et que l'y rencontrer représentant OEA dans un cadre visite en Haïti. En tout cas, bah ça a fait gros polé, gros parler en pile sur les réseaux sociaux. N'a prêté tant et gagné 4-5 sénateurs environ, gagné 5 sénateurs qui publié déjà et après Jovenel qui ça qui est-ce qui va le président côté président absorti, n'a bien pour venir avec détail. Donc sur notre ça dit tout le monde bye bye et pas oublier quitter un commentaire pour dire qui sont pensés par rapport avec ça qui a passé dans pays là qui sont inquiétés là sur qui sont visités en Haïti. En tout cas, n'a suivre pour nous voir comment ça pour aller. Bye bye tout le monde, rendez-vous à la prochaine.